Dieu, je fais ma part, j'attends mon miracle. Hey, j'attends, 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 j'attends mon miracle. J'attends, j'attends mon miracle. Hey, j'attends, j'attends, j'attends. Les pas, acclame le Seigneur pour le recevoir. L'une des bouches autorisées. Mieux que ça, est-ce que quelqu'un peut pousser les cris de joie? Actes, le chapitre 28, à partir du verset 1er. Il est écrit: après nous être sauvés, nous reconnûmes que l'île s'appelait Malte. Après nous être sauvés, nous reconnûmes que l'île s'appelait Malte. Les barbares nous témoignaient une bienveillance peu commune. Les barbares nous témoignaient une bienveillance peu connu. Il nous recueillit tous auprès d'un grand feu. Il nous recueillit tous auprès d'un grand feu. Dis à ton voisin, auprès d'un grand feu. Qu'ils avaient allumé parce que la pluie tombait. Qu'ils avaient allumé parce que la pluie tombait. Et qu'il faisait grand froid. Qu'il faisait grand froid. Paul ayant ramassé un tas de broussailles. Paul ayant ramassé un tas de broussailles. Et l'ayant mis au feu. L'ayant mis au feu. Une vipère en sortit par l'effet. Souligne ça dans ta Bible, une vipère. En sortit par l'effet de la chaleur. Une vipère en sortit par le feu de la chaleur. Et s'attacha à sa main. Et s'attacha à sa main. Souligne ça dans ta Bible. Quand les barbares virent l'animal suspendu. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main. Ils se disent les uns aux autres. Ils se disent les uns aux autres. Dis à ton voisin, ils se disent les uns aux autres. Sûrement cet homme est un meurtrier. Sûrement cet homme est un meurtrier. Puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre. Puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre. Après qu'il a été sauvé de la mer. Après qu'il a été sauvé de la mer. Paul secoua l'animal dans le feu. Paul secoua l'animal dans le feu. Dis à ton voisin, Paul secoua l'animal dans le feu. Et ne ressentit aucun mal. Et ne ressentit aucun mal. Ces gens s'attendaient à le voir enflé ou tomber mort subitement. Ces gens l'attendaient à le voir enflé ou tomber mort subitement. Mais après avoir longtemps attendu. Mais après avoir longtemps attendu. Voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal. Voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal. Il changeait d'avis et dit. Il changeait d'avis et dit. Que c'était un Dieu. C'était un Dieu. Dis à ton voisin, tu es un Dieu. Faut le bousculer un peu. Dis à quelqu'un, tu es un Dieu. Dis à ton voisin, dis, tu es un Dieu. You are a non, God. Parle bien, dis, tu es un Dieu. You are a God. Est-ce qu'il y a un Dieu parmi nous? Non, est-ce que quelqu'un croit qu'il est un Dieu ce soir? You believe that you are a God? Que Dieu nous bénisse. May the Lord bless you. Dis amen bien. Say amen. Dis amen bien. Say amen. La Bible nous relate. The Bible declare. L'histoire de Paul. The story of Paul. Qui a une fois entendu parler de Who Paul? Who have ever heard about Paul? La Bible nous parle de l'histoire de Paul. The Bible talks about Paul. Paul était dans un bateau. Paul was in a ship. Avec les prisonniers. With the prisoner. Et arrivé à certain moment. When he reached the time. Il va connaître un naufrage. Le bateau. The boat. Va connaître des situations. New situation. Le bateau va chavirer. The boat was in le bateau va connaître des secousses. The boat was le bateau sera dans des difficultés. The difficulty. Or, Paul était dans ce bateau. And Paul was there. Et la Bible déclare. And the Bible declare. La Bible déclare. The Bible declare. Le centenier the people over there va prendre une décision. Take a decision. Comme le bateau ne peut pas avancer. Because the boat cannot comme go forward. Le bateau ne peut pas progresser. The boat cannot go comme forward. Le bateau ne peut pas évoluer. The boat cannot go forward. Le centenier va demander à ce qu'on extermine les prisonniers. Le centenier va demander à ce qu'on tue les prisonniers. Or, Paul était parmi eux. Paul va intervenir pour dire Paul will say that, ne les tuez pas. Don't kill them. Et la Bible déclare and the Bible declare, ils vont changer d'avis. Mais arrivé à certain moment, ceux qui pouvaient nager sont descendus dans l'eau. Went to the water, ils ont commencé à nager. Chacun se débrouille à sa manière. Et ils sont arrivés and they reached sur un site qu'on appelle Malte. Malta. Malte est une île. Vous island. Convenez avec moi que you know that l'île the island c'est une masse de terre is a place entourée des eaux. Where there is a water. Ils se sont retrouvés sur l'île. Mais ce island. Qui m'a paru bizarre, what was strange, Paul s'est retrouvé Paul was there au milieu des barbares. Among them. Dis à ton voisin, say people, je me suis retrouvé to your neighbor, au milieu des barbares. Among the barbers. Paul s'est retrouvé Paul was there au milieu des barbares. Among the violent people.
people. Écoute-moi bien. Listen to me. Les barbares. Those native c'est people. Un peuple inculte. Les barbares. They don't understand. C'est un peuple insignifiant. They don't understand. Les barbares. Those people. C'est un peuple qui n'a pas la crainte de Dieu. They don't fear God. Ils ne connaissent pas le Seigneur. They don't know the Lord. Ils détruisent. They destroy. Ils tuent. They kill. Mais la Bible déclare. The Bible declare. Que sont au milieu de ce peuple-là. Among those people. Que Paul va se retrouver. Sont au milieu de ce peuple-là. Among those people. Que Paul va se retrouver. Je veux dire à quelqu'un ce soir, you, je ne sais où l'ennemi t'a transporté. L'ennemi t'a jeté au milieu des barbares, you, au milieu des difficultés, au milieu des problèmes. Lorsque Paul est arrivé en face de la Bible déclare, ils ont allumé le feu. Et Paul va se choisir d'aller prendre, d'aller ramasser des bois pour allumer le feu. Mais lorsque Paul va venir, en face de ces personnes, people, Paul va jeter le bois dans le feu. Fire, et la Bible déclare que une vipère va sortir du feu pour attraper la main de Paul. Je suis en train de dire à quelqu'un ce soir, somebody, je ne sais là où tu t'es trouvé. Je ne sais yourself, avec qui tu marches. Mais il y a une vipère qui s'est accrochée à ta main. Une vipère qui s'est levée contre toi. Une vipère qui est sortie contre toi. Je veux dire à quelqu'un ce soir, écoute-moi très bien. To me, la seule chose, the only thing, l'erreur the mistake, qu'ils ne devaient pas commettre, that I should not make, c'était d'allumer le feu. To light mais the fire, ils ont allumé le feu. Pendant qu'ils allumaient le feu, la vipère est sortie pour attraper la main de Paul. Je veux annoncer à quelqu'un ce soir, you, je ne sais là où tu te trouves, mais le feu qui est allumé va révéler ton ennemi. Le feu qui est allumé va dévoiler tes ennemis. Le feu qui est allumé va révéler ceux qui sont contre toi, ceux you, qui sont contre those toi, ceux qui sont contre ta destinée. Il y a un feu qui est allumé. 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 C'était l'erreur d'allumer le feu. Reveal your identity. Je ne sais quel est le feu qui est allumé. I don't know which fire has been lighting. Il y a beaucoup de feux qui sont allumés. There are many fire lighting. Il y a beaucoup de feux qui sont allumés. There are many fire lighting. Il y a beaucoup de prophètes qui te parlent. There are many prophets speaking to il you. Il y a beaucoup de prophètes qui t'annoncent les signes de Dieu. There are many prophets speaking to je you. Je veux dire à quelqu'un ce soir. I want to tell you. La prophétie. The prophecy. Avant de se réaliser. Fulfill. Viens avec son contraire d'abord. Come with a situation. Viens avec ses circonstances. Viens avec les épreuves. Come with trial. Je veux dire à quelqu'un ce soir. I want to tell you. Dieu permet ces choses. God allow it. Pour éprouver ta foi. To test your faith. Dieu permet ces choses. God allow it. Voici la foi en toi. S'il existe la foi en toi, s'il existe la foi en toi, la solution, ce n'est pas de te décourager. La solution, ce n'est pas de te déplacer. La solution, ce n'est pas de changer d'église. La solution, ce n'est pas de courir de pasteur en pasteur. Mais qui a l'accomplissement dans sa bouche? Qui a la parole de la vie dans sa bouche? Qui a la révélation de Dieu dans sa bouche? C'est celui qu'on appelle le prophète accompli. Lorsque le prophète annonce ces choses, tu vois le résultat arriver. La Bible déclare, on reconnaîtra un prophète par l'accomplissement de ses prophéties. Je veux annoncer à quelqu'un ce soir, le prophète que tu as croisé sur ton chemin est la révélation de ta destinée. Est la révélation de ta destinée. Celui qui tient la main de bien, celui qui se tient de vous donner la main de bien, je vois la gloire de Dieu. Clap for the Lord. L'erreur qu'ils ont commise à allumer le feu. The light, the fire. Le feu était déjà allumé. The fire was there already. Avant de parler du serpent. Before we talk about snake, je vais te parler de Paul. I want to talk about Paul. Avant qu'il n'ait ce nom de Paul. Before he get the name on l'appelait Paul, Saul de Tarse. He was a Saul. Je vais dire à quelqu'un ce soir. Today I want to tell dis-moi un amen et bien, je vais aggraver la révélation. I'll give you a non, revelation. Non, non, je n'entends pas ton amen. I don't hear dis your un amen et bien, j'aggrave. I don't hear your amen. Il s'appelait Saul de Tarse. He was Saul from the Tarse. Et ce Saul de Tarse là, Saul was était celui qui persécutait les chrétiens. The one who killed Christians. Était celui qui s'attaquait à leur vie. He was attacking. Était celui qui les opprimait. The one who oppressed. Était celui qui retranchait leur vie. The one who cut them. Il s'appelait Saul de Tarse. He was Saul. Oh Saul signifie. Saul mean. Oh Saul signifie. Saul mean. Demandait à. Désirait à. Mais lorsque le Seigneur l'a rencontré, il enlevait le S sur son nom. Il enlevait le S sur son nom. Et il a mis la lettre P. And he put P. Il dit tu ne t'appelleras plus Saul de Tarse. You don't become Saul. Tu
t'appelleras Paul. Et nous disons Paul. Tu t'appelleras Paul. You name Paul. Oh, Saul signifie. Saul me. Demander à. Ask to. Oh, Paul signifie. And Paul me. Petit. Small. Humble. Humble. Je veux dire à quelqu'un ce soir. Lorsque tu veux demander quelque chose à Dieu, qu'est-ce que tu dois faire? C'est de t'humilier. Oh, la Bible déclare, humilie-toi et Dieu te lèvera. 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 Je vais dire à quelqu'un ce soir. I want to tell you. Je ne sais quel est le nom ta famille t'a donné. I don't know the name I give je you. Ne connais la signification I de ton nom. The meaning of name. Mais le nom que nous avons the name you are influence notre destinée. Influence, our destiny. Influence notre vie. Lorsque l'ange a rencontré Jacob, avant de le faire rentrer dans sa destinée, il a d'abord changé son nom. Jacob qui signifiait usurpateur, Jacob qui signifiait voleur, il lui a dit, avant de rentrer dans l'accomplissement de la prophétie qui a été annoncée par Isaïe, il faudrait que ton nom change d'abord. Je vais annoncer à quelqu'un ce soir, l'Éternel va changer ton nom, l'Éternel changera ton identité. Je suis en train de voir la destinée de quelqu'un changer. Je suis en train de voir l'identité de quelqu'un changer. Celui qui dit un amen. You say amen. Celui qui dit un amen. You say amen. Sa destinée change. Your destiny au nom de Jésus. Je ne sais le nom que ton entourage t'a donné. I don't know the name I've given on t'a sûrement appelé la chasseuse de Marie des gens. Maybe they call you the... On t'a sûrement appelé l'homme qui ne travaille pas. The one who doesn't work. On t'a sûrement appelé la femme stérile. They call you barren woman. On t'a sûrement appelé le malheureux. On t'a sûrement appelé le misérable. The miserable. On t'a sûrement appelé le rejeté. On t'a sûrement appelé le malheureux. On t'a appelé sûrement le malheureux. Ou le pauvre. La pauvre personne. Ce qui on ne peut pas compter. Mais je vais annoncer à quelqu'un ce soir, il y a une seule personne. Lorsque tu le rencontres, lorsque tu le crois sur ton chemin, il change le nom que ta famille t'a donné, il change le nom que ton entourage t'a donné, il change le nom que les sorciers t'ont donné. Je suis en train de voir l'Éternel changer le nom de quelqu'un ce soir. Ton nom de malédiction deviendra un nom de miracle. Tu seras appelé le désir de l'Éternel. Tu seras appelé une femme de destinée. Tu seras appelé un homme de destinée. Celui qui tient la main de bien. Je vois ces choses se réaliser. Je vois ces choses se réaliser. Dis amen bien. Say amen well. Dis amen bien. Say amen well. Le nom qu'il avait c'était Saul. The name he was having is Saul. Il change de nom. And he changed his name. Je ne veux plus qu'on m'appelle Saul. I don't want to become parce que Saul veut dire demander. Saul means ask. Je vais vous expliquer quelque chose. I will ask, I will explain. Vous savez pourquoi il a changé son nom? Do you know how he changed his name? Je vais vous expliquer quelque chose. Do you know? Paul a compris que Paul understood that s'il restait if he remained à l'étape d'enfant in the type of vous allez, child, vous allez revoir, vous allez constater quelque chose. You will notice some things that seul l'enfant only the child qui peut demander son héritage can ask to seul l'enfant only the child qui peut supplier les gens can humble himself seul l'enfant only the child qui peut demander son pain can ask to mais Paul a dit Paul said puisque Christ m'a affranchi je suis devenu afraid, une nouvelle créature a new creature et les choses anciennes and all those old things sont passées has passed away les choses anciennes all old things sont passées has passed away je ne suis plus l'enfant que j'étais hier I'm not the same person je ne suis plus un enfant I'm not a child mais anymore je suis devenu un fils. Seul le fils a la capacité de revendiquer ses droits. Tu ne dois plus demander le miracle à Dieu, mais tu es dans le plein droit de revendiquer tes droits. Oh, 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 oh. Je suis en train de dire à quelqu'un ce soir, nous ne sommes pas dans un temps we are not a time où nous devons commander. Where we have to mais nous sommes arrivés dans une saison we are où season. Nous devons arracher. We have to take il a dit au peuple d'Israël, he said to the je vous donne Canaan pour possession. I give you Canaan oh, possession. Possédé. Vient du mot posséder. Posséder veut dire prendre de force. Force. Je suis en train de dire à quelqu'un ce soir, tant que tu ne te lèves pas, tant que start, tu ne te lèves pas pour start, arracher ce que le diable t'a volé, tu n'auras pas cela. You will not receive it. La Bible dit, the Bible declare, depuis le temps de Jean-Baptiste, since the time of John the le Baptist, royaume des cieux est forcé. The kingdom of God, seuls les violents only the violent, qui s'emparent du royaume des cieux. Je veux voir des violents ce soir. Est-ce qu'il y a des violents ce soir? Non. Est-ce qu'il y a des violents ce soir? I want to see violent people.
Qui dit Amen est bien et j'aggrave encore. C'est Amen et David. God is good. Dieu est bon. Today is today. Aujourd'hui est aujourd'hui. Today is today. Aujourd'hui est aujourd'hui. Tu veux, tu ne veux pas. You want or you don't want it. Today is today. Aujourd'hui est aujourd'hui. Today is today. Aujourd'hui est aujourd'hui. Les sorciers veulent, ils ne veulent pas. Wizard, wizard, want today is today. Aujourd'hui est aujourd'hui. Oh, je suis en train de dire à quelqu'un. I'm telling you. L'erreur que la vipère a commis. The mistake. C'était d'attraper la main de Paul. Il ne devait pas toucher sa main. Suppose that you attack him. Oh, oh, oh. Oh! Il a attrapé sa main. Il capte sa main. La main comporte combien de doigts? The hand. La main comporte combien de doigts? 5 fingers. La main comporte combien de doigts? How many fingers we have? La main comporte combien de doigts? How many fingers do we have? Le chiffre 5. 5. Est le chiffre de la grâce. Il ne devait pas s'attaquer à sa main. Grace. Oh, je vais dire à quelqu'un ce soir. I'm telling you, ce qui amène Dieu à se lever. What makes God ce qui amène Dieu à nous défendre. What God makes God c'est par la grâce qu'il a mis sur nous. Grace. Il ne veut pas que l'ennemi se lève pour arracher la grâce qu'il nous a donnée. Il y a une grâce que Dieu t'a donnée. There is a grace that God has given you. Tu as un rêve en toi. God. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? You understand what I'm saying? Le diable est rentré dans la vie de Job. The devil entered to the life of John. Il a attaqué ses enfants. He attacked John. Il a tué ses enfants. He killed his children. Il a détruit tout ce qu'il possédait. He destroyed everything. Mais lorsque il a dit à Dieu, when he said to God, je connais ton serviteur Job. I know your servant John. C'est parce que tu lui as tout donné qu'il te craint. You gave everything. C'est parce qu'il a tout en sa possession qu'il te craint. That's why laisse-moi l'attaquer. Allow me to attack him. La ruse du diable, c'était quoi? Man, c'était pas seulement de détruire les richesses autour de lui. Mais destroy, il voulait le tuer, l'exterminer. Mais il a dit à Satan, devil, tu peux tout détruire autour de lui. Mais ne touche pas à sa vie. Don't touch his ne life. Touche pas à sa vie. Don't touch his life. Ne touche pas à sa vie. Don't touch his life. Ne touche pas à sa vie. Don't touch his life. L'ennemi ne touchera pas à ta vie. The enemy will not touch il your ne life. Touchera pas à ta destinée. He will not touch your. Parce que ce que tu as reçu, ce que tu as, est venu de l'éternel. C'est l'éternel qui t'a donné la richesse. C'est l'éternel qui t'a donné l'élévation. Aucun sorcier a le pouvoir d'arracher ta grâce. L'ennemi s'est dressé contre Joseph. The enemy was against Joseph. Les frères de Joseph se sont attaqués à lui. The brothers of Joseph attacked him. Ils l'ont attaqué. They attacked him. Ils l'ont vendu. They sold him. Ils l'ont jeté en prison. They put him in prison. Joseph. Joseph a été jeté. Was. Il a été rejeté. Was rejected. Est-ce que quelqu'un entend ce que je suis en train de you dire? Understand? J'ai dit Joseph. Joseph a été jeté. Was true. Il a été rejeté. Je veux dire à quelqu'un ce soir, I want to tell you, pour que tu deviennes un rejeton, il faille qu'on te jette, qu'on te rejette. Oh, Joseph est le rejeton de l'arbre fertile. Tu es le rejeton d'un arbre. Partout on va te jeter, tu vas porter des fruits. Partout tu iras, tu réussiras. Parce que tu es le rejeton d'un arbre fertile. On ne sait pas. You don't know. Le diable ne sait pas à qui il s'attaque. The devil doesn't know who is attacking. J'ai constaté. I noticed. Il y a des maisons. He has houses. Il y a des résidences. He has residence. Quand tu arrives, when you arrive, sur la porte on a écrit the road, danger de mort. Danger. Où on met quoi? Chien méchant. Attention, chien méchant. Je vais annoncer à quelqu'un ce soir. L'ennemi va se changer, va se transporter vers ta destinée. Il ne pourra pas t'avoir parce qu'il y a quelque chose qui a été écrit sur ton front. Attention, femme de destinée. Attention, homme de destinée. Attention, attention.
Le roi Nebuchadnezzar ne savait pas à qui il s'attaquait. The king Nebuchadnezzar didn't know who he's attacking. Il a regardé dans tout Israël. What in all Israel? Il s'est attaqué à Daniel. And he attacked Daniel. Oh, il a oublié que Daniel est de la tribu de Juda. Daniel came from Judah. Il prend Daniel. He took Daniel. Il le jette là où il y a les lions. He put the lion dead. Est-ce que quelqu'un entend ce que je suis en train de dire? Do you understand? Il ne sent pas où on t'a jeté. Mais là où on t'a jeté, c'est dans la force au lion. Je veux quelqu'un pour l'aider. Reçois la grâce de Dieu. Elle peut. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Aide-le à s'asseoir. Ils l'ont jeté dans la force au lion. Dis à quelqu'un erreur. C'est qu'ils avaient oublié ce jour-là. What they forgot? Le Dieu de Daniel ne dormait pas. The God of Daniel was not sleeping. Il ne sommeille ni ne dort. He doesn't sleep or slumber. Même si Satan ne sommeille ni ne dort. If Satan, le Dieu que tu adores ne sommeille ni ne dort. God, you are serving, doesn't sleep or slumber. Erreur. The mistake, ils l'ont jeté dans la force au lion. They put in the lion. Je vais expliquer à quelqu'un. I will explain to you. Vous savez, dans la famille des lions, in the family of lions, il y a ce qu'on appelle le lion dominant. Il y a ce qu'on appelle le lion dominant. The dominant lion. Et le lion dominant, c'est celui qui soumet tous les lions. The lion dominant. Mais Daniel qu'on a jeté là-bas, Daniel, the true, était l'espèce rare. Il était le lion dominant qui devait descendre dans la force pour soumettre les autres lions. Je suis en train de dire à quelqu'un ce soir, tu transportes en toi un lion. Il y a un lion qui a dormi en toi qui va se réveiller. Le lion est en train de se réveiller. Oh, ce lion va mettre en déroute les autres lions. Celui qui tient la main est bien. Je vois ton lion se réveiller. Say amen and you receive. Je me suis posé la question de savoir. I wonder why. Un autre animal pouvait s'accrocher à sa main. Another animal can hold. Un autre animal pouvait attraper sa main. Another animal can hold his hand. Le python. Even python. Pouvait s'accrocher à sa main. Hold his hand. Paul a connu deux serpents dans sa vie. Paul, le premier serpent, c'était le python. The first thing qui s'était incarné en cette femme. Who has qui a dit woman, ceux qui sont en train de passer là. Said, ce sont les saints hommes de Dieu. Ce sont les serviteurs de Dieu. Paul a dit. Elle ne prophétise que par le python. Mais le deuxième serpent qui a attrapé la main de Paul, c'était la vipère. Dis avec moi la vipère. Non, parle bien la vipère. Écoutez, la vipère est composée de deux mots. Il y a la vie et il y a paix. Je veux dire à quelqu'un ce soir, pourquoi Paul n'est pas mort? Parce que la vipère est composée de deux noms. Il y a la vie et il y a paix. Paul avait la vie du Père en lui. Alors la vipère ne pouvait pas le tuer. Il avait la vie du Père en lui. Il avait la vie du Père en lui. Quand tu as la vie du Père en toi, aucun sorcier ne peut te manger. Aucun marabout ne peut te tuer. Oh, tu as la vie du Père en toi. Tu as la vie du Père en toi. Celui qui te tient debout, je vois la vie du Père environner ta vie. Au nom de Jésus. Il avait la vie du Père en lui. La Bible dit, vous saisirez les serpents et les serpents ne pourront pas vous tuer. Vous marcherez dans le vous buverez les breuvages mortels, mais vous n'allez jamais mourir. Lorsque des eaux vont vous submerger, vous ne mourrez point parce que vous avez la vie du Père en vous. Lorsque vous avez la vie du Père en vous, partout où vous allez, le bonheur et la grâce est obligé de vous suivre parce que vous avez la vie du Père en vous. Non, tiens-toi de vous dire, j'ai la vie du Père en moi. Je ne crains pas les sorciers, j'ai la vie du Père en moi. Cette maladie qu'on m'a donnée va disparaître parce que j'ai la vie du Père en moi. La paralysie va me laisser parce que j'ai la vie du Père. Je vais travailler parce que j'ai la vie du Père en moi. Je vais réussir parce que j'ai la vie du Père. Je vais être levé parce que j'ai la vie du Père en moi. J'ai la vie du Père en moi. I have a life of Father in me. Est-ce que tu es là ce soir? Are you here? Ils ont commis une erreur de s'attaquer à toi. They made a mistake to attack Ils ont oublié que tu as la vie du Père en toi. You have a Father in you. Tu
sais ce que je suis en train de voir? Do you know what I'm seeing? Dis prophète, qu'est-ce que tu vois? Say prophet, what are you seeing? Tu sais ce que je suis en train de voir? Do you know what I'm seeing now? Je vois une église climatisée. I see a church with echo. Tu sais ce que je suis en train de voir? You see what I'm... Je vois un grand parking. I see a great parking. Et chaque parking porte le nom de quelqu'un and de cette église. Parking... Parce que tu vas garer ta voiture. You have to park your oh, car. Oh, quelqu'un ne m'attend pas. Tu sais ce que je suis en train de voir? Do you see what I'm... Je suis en train de voir dans cette église. I'm seeing this church. Que chaque ustensile porte le nom de quelqu'un dans cette every église. Place carry the name of somebody. Je vois des chrétiens se battre même pour acheter des billets d'avion pour leur pasteur. I see Christian fighting for to buy ticket for plane ticket for their pastor. On ne va plus cotiser. Parce que quelqu'un seul va se lever pour dire c'est ma part. Je prends la. Oh, 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 oh. Je dis ces choses vont t'arriver. Je dis ces choses t'arriveront. Parce que tu as la vie du Père en toi. J'ai la vie du Père en moi. Traitez-moi de pécheur, de malfaiteur, de tous les noms que vous voulez. Mais j'ai la vie du Père en moi. Traitez-moi d'adultère. Traitez-moi de pécheur que je suis. Imbécile que je. Oh, oh, j'ai la vie du Père en moi. Je vous explique l'histoire de deux personnes. I will explain the story of two people. Deux personnes qui étaient en danger. Two people who was in danger. Dis amen bien. Say amen. Non, dis amen bien. Say amen. Deux personnes, two people, qui étaient en train de discuter, they were arguing, à l'entrée du temple. At the les deux personnes, those two people, avaient le même problème, were having the same problem, mais n'avaient pas la même situation. But they not having the same situation. La première personne, the first person, était paralysée. Were crippled. Ils n'avaient pas d'argent. They were not having money. Ils n'avaient rien. Nothing. Mais la deuxième personne, the second person, avait, were having, ce que l'autre n'avait pas. What did the other, or did they il lui have? A dit, he said to him, camarade, friend. Donne-moi l'argent. Give me money. Donne-moi un peu d'argent. Give me a little money. Il a regardé. He looked at him. Pour dire camarade. He said, friend, je n'ai pas d'argent. I don't have money. On a le même problème. We have the same mais problem. Mais ce que j'ai. But what I have. Oh, ce que j'ai. What I have. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en you train de dire? The revelation. On peut se promener ensemble. You can walk together. On peut vivre le même problème. You can live the same mais on n'a pas la même destinée. But you don't have the same destiny. Il dit ce que j'ai. You say, what I have? Ce que j'ai. What I have? Ton voisin n'a pas. Your neighbor doesn't have. Il peut avoir des grosses voitures. He can have big cars. Mais ton temps n'est pas encore arrivé. Mais tu as l'ainsi dit de Dieu en toi. You have the spirit tu as la faveur de Dieu sur ta vie. You have the favor of God over you. Non, 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 non. La Bible dit que celui qui est en moi est plus puissant que ceux qui sont dans ce monde. Je suis en train de dire à quelqu'un ce soir qui transporte en toi une bombe atomique qui va bientôt exploser, qui va faire des dégâts. La bombe va exploser. La bombe va exploser. Ça va faire des dégâts. Partout où tu passeras, les gens porteront le regard sur toi. On dira voici la présence de Dieu qui passe là. On dira voici le prince de Dieu qui est en train de passer là. On peut empêcher l'ampoule de briller, mais personne ne peut empêcher ton étoile de briller. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un ce soir, ton étoile brillera, ton étoile se levera. Celui qui vient amène bien, ces choses arrivent au nom de Jésus. Dis à ton voisin, on s'en soit ensemble. Mais on n'est pas mélangé. Dis fais attention. Watch out. Surtout quand tu me touches, fais attention. When you touch me, watch out. Parce qu'il y a un moment, tu ne pourras pas me toucher. There is a time you will not be able to touch me. Tu vas demander audience. You ask for appointment. Tu vas t'adresser à la secrétaire. You ask to the secretary. Pour dire, madame, excusez-moi. Say, madam, please. Souvent même, on oublie ton nom. On va t'appeler Excellence. They will ask, they will forget your name. I'll call you Excellence. Non, est-ce que quelqu'un peut se lever pour dire can je suis la représentation de Dieu sur terre. Say, je suis l'image say, faite oh, oh, de God. Dieu sur terre. The image of God. Say, I am the image of God. Est-ce que tu es là ce soir? Are you there? Est-ce que tu es prêt ce soir? Are you ready? Lorsque la vipère attrapait sa main, la Bible déclare que les barbares le regardaient. Those people were watching. Quand la vipère te mord, when the vapor you, à quelques instants seulement tu meurs. A few times you have to die. Ils étaient en train de le regarder. They were looking at him.
tout le monde avait les regards sur lui. All people were walking on him. Présentement, tu n'es pas marié, on te regarde. You are not married, but look at présentement, you. Tu ne travailles pas, on you te regarde. Présentement, tu n'as rien, on te you regarde. Mais je veux you. Dire à quelqu'un ce soir, ce n'est pas le commencement qui compte, mais c'est la fin de toutes choses. Il faut mieux que le commencement. It's better than the beginning. On le regardait. They were looking at him. On attendait à ce qu'il meure. They were expecting him to die. D'autres étaient en train de dire, préparons déjà sa tombe. Prépare un endroit où on va l'enterrer. Prepare a place we can bury him. On ne veut pas nous incriminer ici. We don't want to parce que la vipère l'a mordu. Parce que la vipère l'a mordu. Je ne sais quelle est la vipère qui t'a mordu. I don't know any kind of snake. Écoute-moi bien. I'm telling you. Le serpent, quand vous regardez la langue du serpent, when you see the snake, qu'est-ce que vous constatez? What do you know? Qu'est-ce que vous constatez? When you see his tongue, il a deux langues. He has two tongues. Le serpent a deux langues. He has two tongues, the snake. Il y a des gens dans ta vie qui ont deux langues. There are some people who have il y a two des tongues. Gens autour de toi qui ont there deux langues. There are some people around you have two tongues. Aujourd'hui, ils riront avec toi. Today they will laugh at you. Aujourd'hui, ils vont manger avec toi. Today they will eat with you. Mais demain, ils vont te crucifier. But tomorrow they will crucify you. Les mêmes personnes the same people qui t'ont dit que tu es joli. They say you are beautiful. Les mêmes personnes the same people qui t'ont dit que tu es bien. You are good. Les mêmes personnes the same people qui vantaient tes mérites. Who say you are les mêmes personnes the same people qui t'encourageaient autrefois. Who are mais arrivé à certains moments, quand tu vas connaître les bras, quand tu vas connaître les bras, quand tu vas connaître les pas, ces personnes vont t'abandonner, ces personnes vont s'écarter de toi, ces personnes vont s'éloigner de toi. Ils diront que je ne l'ai jamais connue, je ne la connais pas, je ne sais plus où elle habite. Ils vont oublier ta maison. Mais je vais dire à quelqu'un ce soir, les gens peuvent oublier là où tu habites, mais le Saint-Esprit connaît l'adresse de ta maison. Le Saint-Esprit connaît ton adresse. Le Saint-Esprit connaît ton adresse. D'autres étaient en train de pleurer. People were crying. Cet homme gentil. That kind man. Qu'est-ce qu'il nous a fait? What happened? Mais regardez ce qu'ils vont dire. See what they say. Ils vont lui dire sûrement que cet homme surely était malfaiteur. He was an evil regarde man. Le nom que les gens te donnent. See the man, écoute-moi bien. See the man. La situation dans la vie de la femme qui avait une perte de sang pendant 12 ans a effacé son nom. Quand on la regarde, on dit celle-là, elle a une perte de sang pendant 12 ans. She's bleeding. Le paralytique de la piscine de Bethesda. Man, on ne cite même pas son nom. They don't mention his parce name. Que le problème the problem avait changé son nom. Change his name. Est-ce que quelqu'un dit un amen bien? Say amen. Non, est-ce que quelqu'un dit un amen say bien? Amen. Non, est-ce que quelqu'un me dit un amen bien? Say amen. Ces gens ont dit que c'était un malfaiteur. Le sang est tombé sur lui. Mais, comme il a échappé à la justice. Alors le serpent l'a rattrapé ici. Non, dis à ton voisin de quoi parle le texte. What are they talking about? Dis à ton voisin de quoi tu te mêles. Say, what are they talking chacun about? A son problème sur la terre. Everybody has chacun problem. A ses difficultés sur la terre. Everybody has de quoi tu te mêles. What are you talking about? Tu ne sais pas où Dieu m'a enlevé. You don't know tu ne sais pas où le Seigneur m'a croisé. De quoi tu te mêles. De quoi tu te mêles. What are you talking about? Ma vie. My life. Ma vie. My life. My life. Ma vie. Appartient à Dieu. Belong to God. Ma situation. My situation. Je ne l'ai pas confié à un homme. Mais je l'ai confié à Dieu. I give it to God. La Bible déclare. The Bible declare, le secours ne vient ni de l'Orient. Le secours ne vient ni des montagnes. Mais le secours vient de l'Éternel. Qui a fait le ciel et la terre. La Bible déclare. Malheur à celui qui bat sa confiance à un homme. Malheur à celui qui bat sa confiance à un homme. Car il sera trahi. Mais celui qui bat sa confiance à l'Éternel. Celui-là ne faillira jamais. L'Éternel va relever ta tête parce que tu lui as confié ton problème. Tu lui as confié ta situation. Celui qui se tient debout, qui me dit un amen, bien, je vois, oh, 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 tu rentres dans ton miracle. Au nom de Jésus. On attendait qu'il meure. They were waiting for him to die. Mais à leur grand surprise, by a great surprise, qu'est-ce qu'il a fait? What fais comme said? Ça avec moi. Do like fais that. Comme ça avec moi. Do like that. Fais ça. Fais comme ça do, avec moi. Do, do it. Forme ton point. Fais comme ça avec moi. Make a punch. Qu'est-ce qu'il a fait? What is it? Ce signe c'est quoi? The punch. Regardez. Ce signe c'est quoi? What is it? Non, dis bien. Ce signe c'est quoi? What is this? C'est la force. It's a strength. Et quand je fais ça c'est quoi? What I made like that?
C'est un signe de quoi? Is it a sign of what? Oh, quelqu'un ne m'entend pas. You don't hear me. Oh, quelqu'un ne m'entend pas. You don't hear me. Oh, quelqu'un ne m'entend pas. You don't hear me. La vipère était sur sa main. The snake was on his Il a formé sa main comme ça. He made a point like Avant that. Que la vipère ne meure, il a soulevé sa main. Like pour dire, j'ai la victoire. J'ai l'assurance de mon salut. J'ai Jésus avec moi. Aucun serpent ne pourra me tuer. Aucun malfaiteur ne pourra me tuer. Il a baissé sa main. Il a secoué sa main. Et le serpent est tombé dans le feu. Pendant que tu secoues ta main, je suis en train de voir le feu du sang qui te fait lever contre toi. Tomber dans le feu. Secoue ta main. Secoue ta main. Les problèmes tomberont dans le feu. Je suis en train de voir ton échec tomber dans le feu. Ta maladie tomber dans le feu. Ça tombe 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 dans le feu. Celui qui tient la main bien. Je vois la victoire de Dieu. Alléluia. Est-ce que tu as bien secoué ta main? Did you shake your hand very well? Est-ce que tu as bien secoué ta main? Did you shake your hand very well? Pendant que tu secouais ta main, as you were shaking your hand, j'étais en train de voir les chaînes qui tombaient de ta main. I see chain coming down. Je voyais le blocage au niveau de tes finances qui tombait dans le feu. Down. Je vois la stérilité qui était attachée à ta main qui est tombée dans le feu. Down. Je vois ta rivale qui se lève contre toi pour arracher ton mari. Tombe dans le feu. Tombe dans le feu. Tombe dans le feu. Tombe dans le feu. Est-ce que tu crois ce soir? Do you believe que Jésus t'a donné la victoire? Jesus has given you a victory. Dis amen bien. Say amen. La Bible dit, the Bible says, à tous ceux qui l'ont reçu, for those who receive, écoutez-moi bien, il les a donné le pouvoir de faire quoi? He gave them the power to become. Non, pas secouer forcément. Il a donné le pouvoir de faire quoi? He gave them the power to become. Qu'est-ce qu'il a donné? What did le pouvoir de faire quoi? The power to become. Est-ce qu'il a donné le pouvoir au diable de marcher sur toi? Did he give the power? Est-ce qu'il a donné le pouvoir au serpent de marcher sur toi? Je dis, tu as reçu le pouvoir de marcher sur tes ennemis. Si j'étais à ta place, j'allais commencer à marcher sur la tête de mes sorciers, sur la tête de l'homme fort. Pendant que tu es en train de marcher, je vois la mort de tes ennemis, la mort de tes sorciers, la mort de ceux qui se lèvent contre toi. Et tous vont tomber dans la force. Ils vont mourir. Au nom de Jésus. Est-ce que ça va ce soir? Are you okay? La vie du Père. Dis à quelqu'un la vie du Père. Say to somebody, the life of the Father. J'ai la vie du Père en moi. I have the life of the Father. J'ai la vie du Père en moi. I have the life of the Father. C'est parce que tu minimises ce que Dieu t'a donné. Maybe you despise what you C'est have. Pourquoi tu es encore en retard. That's why you are late. Tu ne connais pas le potentiel qui est en toi. Tu ne connais pas la grâce qui est sur ta vie. You don't know the grace you have. C'est pourquoi tu permets à n'importe qui de parler de toi. That's why you allow people C'est pourquoi to speak tu permets about à ce que les gens parlent sur toi. That's why you allow people to speak about you. Je ne peux pas avoir la vie du Père en moi. I cannot have the life of the Father. Et passer mon temps à accompagner les autres. And go and see people off. Dis à quelqu'un heureux. C'est mistake. Non, dis bien heureux. C'est mistake. Non, dis bien heureux. C'est mistake. Dis bien heureux. C'est mistake. Dis bien heureux. C'est mistake. Je veux dire à quelqu'un ce soir. I want to tell to somebody. Dis amen bien. Je veux dire à quelqu'un ce soir. I want to tell to somebody today. Personne ne t'a dépassé dans la vie. Nobody has overtaken you. Il y a seulement des gens qui t'ont dévancé dans la gloire. Some people are taking leads. Et toi, tu vas bientôt les rejoindre. But you overtake them. Et ce que tu as prévu pour toi sera plus grand que pour eux. Non, tu ne m'as pas entendu. J'ai dit ce que Dieu te réserve sera plus puissant que pour eux. Je suis en train de voir tes ennemis se prosterner devant toi. Parce que tu as la vie du Père en toi. Ils vont se prosterner. Et ils vont reconnaître la Seigneurie, la puissance de ton Dieu. Ils reconnaîtront, ils vont confesser que le Dieu que tu adores est un Dieu puissant, capable de te retirer de la boue et de te faire asseoir à la table des rois. Je suis en train de dire à quelqu'un ce soir, tu changeras de position, tu changeras de place, tu changeras de société, tu changeras de travail, ton salaire va changer.
ton salaire va changer, ton salaire va changer au nom de Jésus. Est-ce que ça va? Are you okay? Est-ce que ça va? Are you okay? Et tous ils attendaient à ce qu'il meure. They were expecting him to die. Mais ils ont constaté. They noticed that. La Bible dit ils ont changé d'avis. They changed their opinion. L'homme qu'on avait vu qui allait mourir. They thought that he were, mais he ils constatent que l'homme n'est pas mort. They noticed that he didn't die. C'est quelle personne ça là? What kind of man ils ont commencé à se dire eux-mêmes. They began to wonder. C'est un Dieu. Surely he's a God. Il n'est pas comme nous. He's not like us. Je veux dire à quelqu'un ce soir. I want to tell je you. Je peux marcher avec plusieurs personnes. I can walk with people. Mais j'ai une destinée particulière. J'ai quelque destiny. Chose qui me différencie de. Je veux dire à quelqu'un ce soir, tout le monde peut avoir la grâce. Mais moi, ce qui me différencie de toi, c'est une grâce particulière que l'Éternel m'a donnée. Je veux dire à quelqu'un ce soir, Daniel avait reçu un esprit supérieur. Il y a des gens qui ont un esprit, mais il y a d'autres qui ont la supériorité dans leur vie. Je suis en train de prophétiser à quelqu'un ce soir. Je vois la loi de la supériorité s'attacher à ta vie. Tu seras supérieur dans tout ce que tu fais. Tu seras supérieur et meilleur dans tout ce que toi t'es pas. Celui qui tient la main est bien. Je vois la grâce de Dieu descendre sur toi. Est-ce que quelqu'un peut dire j'ai la vie du Père en moi? Say I have a life of the Father in me. Viper, la vie du Père. The life of the Father, viper. Sorcier sait à qui il s'attaque. Which even know who they attack. La nuit quand il s'envole là, il sait où il peut pas atterrir. Night when they are flying, they know parce que s'il a essayé land. Là, c'est le feu qui a le consumé. If he made a mistake, fly, fire will catch. Parce que tu es un danger de mort. Because you are a danger. Celui qui s'attaque à toi croise Dieu. The one who attack you. Celui qui se lève contre toi croise le Seigneur sur sa route. The one who comes against you, meet the Lord. Je veux que ta semaine soit influencée par la vie I du Père. Your week be influenced by the life of the Father. Dieu va utiliser des choses insignifiantes pour pouvoir te révéler. Il ne croyait pas que sa destinée allait changer. Il croyait à la mort. Il pensait aux dégâts. Il pensait qu'on allait l'emprisonner. Mais la bêtise lui a dit, je vais te présenter à mon papa. Je vais dire à quelqu'un ce soir, Jésus-Christ de Nazareth que nous avons reçu, nous a révélé à son Père. Il nous a présenté à son Père Dieu. Je vais dire à quelqu'un ce soir, tu as une grande audience devant le Seigneur. Tu as une grande audience devant le Seigneur. Il y a des circonstances de la vie qui vont arriver et par ces circonstances là tu triompheras et tu témoigneras que l'Éternel Dieu qui t'a créé sur la terre des vivants a toujours le dernier mot. Je crois en toi. I believe in you. Je crois en ta destinée. I believe in your destiny. Aujourd'hui tu pleures, c'est vrai. Today you are crying. Mais les larmes que tu vas couler demain but tomorrow, ne seront pas les mêmes là. It will not be the same les gens vont te voir rire et puis les gens verront smiling. Les larmes sur ton visage. People will see you les smiling. Gens vont se demander people will see you qui smiling. Est mort. Say, tu leur diras qu'il n'y a personne qui est mort. Nobody's dead. Mais j'ai une bonne nouvelle. But it's a good on news. Vient de m'annoncer une promotion dans they mon travail. Tell me a promotion. Les gens vont se poser la question de savoir ask you, qu'est-ce que tu as perdu et tu pleures. What you have lost. Tu leur diras non. You say no. Aujourd'hui, je n'ai pas perdu. Today, mais aujourd'hui, je viens de gagner today, mon résultat. Je viens de. Je suis en train de dire à quelqu'un ce soir peut-être que tu as présenté un concours. Je prophétise le succès à ton concours. Je prophétise le succès à ton concours. Au nom de. Jésus. Quand tu as la vie du Père en toi, when you have the life of the c'est Father, des bonnes choses qui t'arrivent. Good thing come to you. Ce qui influence notre vie, c'est l'environnement. What influences our life, the environment? Le premier secret de la réussite, c'est l'environnement. The first secret of quel success. Environnement que tu fréquentes? Which environment are you tu going es dans to? Quel environnement? Which place are you? L'environnement dans lequel tu te trouves. Your environment influence ta destinée. Influence your destiny. Dis à ton voisin, changeons d'environnement. Change your environment. Dieu avant de créer l'homme. God before creating il a d'abord créé son environnement. He created his environment. Dis à quelqu'un, j'ai la vie du Père en moi. Say, I have a life of a father in me. Dis, j'ai la vie du Père en moi. I have a life of a father in me. Je ne peux pas fuir la pauvreté. I cannot run away from poverty. Est venu vivre encore dans la pauvreté. And live in poverty again. Je condamne quelqu'un à la réussite ce soir. I condemn you to non, success. Non, non, tu ne me crois pas. Je te condamne à la réussite I ce soir. Je veux today. Que quelqu'un se tienne debout pour dire je refuse la pauvreté. Dis je refuse la pauvreté. Poverty.
Est-ce que tu te sens béni ce soir? Are you blessed today? Est-ce que tu te sens béni ce soir? Are you blessed today? Est-ce que tu te sens béni ce soir? Are you blessed today? Le premier nom qu'on t'a donné de malfaiteur, de femme stérile, les gens seront obligés de changer d'avis à ton sujet. On ne t'appellera plus la stérile. On t'appellera le plaisir de l'éternel. La Bible déclare qu'ils ont changé d'avis. Ils lui ont dit maintenant c'est un Dieu. Je suis en train de dire que la langue de tes ennemis va se transformer. Ils auront le mot de victoire dans leur bouche. Eux-mêmes t'annonceront ta victoire. Eux-mêmes t'annonceront ton miracle. Tous tes ennemis qui te voyaient mourir, je suis en train de dire à quelqu'un, l'erreur qu'ils avaient commis, c'était de t'enterrer, mais ils oubliaient que tu étais une graine. Dis à quelqu'un, je suis une graine. Non, dis à quelqu'un, je suis une graine. Tiens-toi debout, dis, je suis une graine. Si on m'enterre, je vais refleurir. Je vais ressortir. Je ne sais dans quelle terre on t'a enterré, on t'a mise. Parce que tu es une graine. Tu vas refleurir. Celui qui dit un amen le plus fort de ton voisin, acclame très fort le Seigneur. La gloire de Dieu est pour toi. Au nom de Jésus. Lève simplement les mains. Et tu répètes avec moi, Seigneur Jésus, je crois de tout mon cœur que tu es vivant. Puissance de Dieu, ce message qui a été prêché m'a touché. Seigneur, je veux marcher avec toi. Seigneur, je veux faire la paix avec toi. Seigneur, donne-moi un cœur bien discipliné dans ta maison. Seigneur, je veux te servir comme un bon serviteur. Éternel, éloigne-moi de la rébellion. Seigneur, éloigne-moi de tout vent qui souffle afin de m'écarter loin de mon site de bénédiction. Puissance de Dieu, je crois et j'ai foi. Jésus. Glorifie-toi. Tu ne mourras point, tu vivras. Pas vite, feu. Amène la devant, je vais chasser, sois vite. C'est de mort, libère sa vie. Tu libères. J'ai vu un cercueil derrière elle. Tu ne mourras point. Tu ne mourras point. Amène la mort. Jésus, je ferme les portes de la mort. Sois vite, pousse ton pied pas. Nom de Jésus. Le feu, 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 le feu. Tu ne mourras point. Tu ne mourras point. Je refuse ce cercueil. Par le feu, par le feu, par le feu, par le feu, par le feu. Jésus. Il m'a chica la baronne prédicate. Il m'a satan la baronne. Qui est togolais qui connaît quelqu'un qui s'appelle Raoul? Mo chaka. Jesus. Non, tu ne mourras point. Si je suis prophète, je fais retour à l'envoyeur. Je fais retour à l'envoyeur. Je fais retour à l'envoyeur. Ouvre les yeux, regarde-moi. Dans ta maison, qui est bourreau? Hein? Hein? Mon mari. Regarde-moi, dis-moi. Je fais retour à l'envoyeur ou on fait une délivrance parfaite. L'envoyeur. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je fais retour à l'envoyeur. Je fais retour à l'envoyeur. Si tu m'as appelé et que tu m'as établi prophète, là où son nom a été emmené, là où son âme a été emmenée, là où tout ce qui a été dit sur sa vie a été emmené, je prophétise, je l'envoie dans la direction. À celui qui a provoqué, qui a créé ces choses, si je suis prophète, ça lui arrive. Au nom de Jésus. Amen. Lève-toi au nom de Jésus. Lève les mains, je vais prier pour toi.
Dieu me montre une vision sur elle. Je suis en train de la voir. Mais je vois une robe de mariage. Mais c'est un peu, vous connaissez, terre rouge, la terre rouge. La boue. C'est rempli de boue. Mais il va prophétiser sur sa vie. Raoul, il est où? Il est au pays, il est qui pour toi? C'est l'enfant de mon oncle. C'est l'enfant de ton oncle. Est-ce qu'il fait du sport? Tu sais pas. Ça, je sais pas. Il faut tout faire, il faut te renseigner là-dessus. Tu sais pourquoi? Il fait l'agriculture. Il fait l'agriculture, mais il est où en train de faire du sport? Il va mourir sur le terrain. Ça sera le 2 février. Le 2 février, il va tomber comme ça. Et le voir à côté de toi. Ils étaient en train de jouer, puis il est tombé. Dieu va te surprendre. En quel mois? 20 août. C'est bon. Non, il ne faut plus prier pour ça. Dieu a déjà fait. Amen. Non, il ne faut plus prier. Il ne faut plus prier pour ça. Il faut accepter de te marier un jeudi. Amen. Il faut accepter. Parce que si tu as fait grand, ça ne va pas faire 6 mois. Amen. 1 an, 6 mois ne va pas passer. C'est bon. Amen. Mais il faut apprendre à te taire. C'est pas tout on dit. Tu as gâté beaucoup de choses qui devaient arriver en te confiant aux gens. Le secret, là, c'est personnel. Il faut te comporter désormais comme la poule. Tu vois la poule sage. Quand elle fait les yeux, elle s'assoit là-dessus, elle donne sa chaleur. Mais le jour, elle se lève. Le propriétaire, là, il est capable de prendre pour manger. Où le soleil frappe, ça se gâte. Mais quand elle est sage, elle s'assoit jusqu'à ce que les poussins même sortent. Assieds-toi beaucoup sur tes projets. Dieu a fait les grandes choses. Dans ce pays, tu auras une entreprise. Amen. Dans ce pays. Tu auras une entreprise. Ça a beaucoup marché. Dieu va faire. Mais quand il a fini de prier pour toi, au pays, il y a une vieille dame qui va mourir. Précisément ton côté paternel. Donne-moi la main droite. Ferme les yeux. Béni sois-tu. Au nom de Jésus. Tu es venu avec qui aujourd'hui? Au culte. Tu es venu ici? Oui. Mais pourquoi il y a quelqu'un qui te suit? Mets-toi là. Je vais prier pour toi. Mets-toi là. Regarde-moi. Lève les mains. Jésus. Homme fort. Libère Jésus. Feu. Libère sa vie. Sois vite. Nom de Jésus. Tu libères sa vie. Tu libères sa vie. Tu libères sa vie. Par le feu. 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 Jésus. Tu es vivant. Merci. Faiseur de miracles. Merci. Accomplis ta parole. Accomplis ta parole. Accomplis ta parole. Action à l'éternel, au nom de Jésus. Amen. C'est bon, ça va marcher. On se tient tous debout. Lève tes mains, on va prier. Répète avec moi, Seigneur Jésus. Je crois de tout mon cœur que tu es le chemin, la vérité et la vie. Seigneur, merci parce que tu agis. Seigneur, merci parce que tu m'ouvres les portes. Je déteste tes finances aujourd'hui. Touche. Nom de Jésus. Libère. Par la puissance de Jésus. Tu libères sa vie. Tu libères sa vie. Tu libères. Tu es né pour ici. Tu es né pour connaître la joie. Tu es né pour connaître le bonheur. J'arrête ta souffrance dans le nom de Jésus. C'est la prison. C'est fini les pleurs. Dieu essuie tes larmes.
touche-moi. Au nom de Jésus, vois l'œuvre de Dieu s'accomplir. J'impacte ta vie de l'onction que j'ai reçue de Dieu. J'impacte ta vie de l'onction que j'ai reçue du Saint-Esprit. Touche, touche. Tu n'iras pas à la mort. J'allume tout programme par le nom de Jésus. Je te vois dans une chambre assis en train de pleurer. Tu es découragé, tu déprimes. Mais sache une seule chose, l'Éternel est avec toi. Dieu ne t'a jamais abandonné. Pourquoi t'inquiètes-tu? Ton miracle est plus proche que le vêtement que tu as porté. Le miracle est proche de toi. Ne pense pas à la mort, parce que l'Éternel n'a pas fini encore avec toi. Il est sur tes larmes. Que les portes du bonheur s'ouvrent. Entre dans tes grâces, au nom de Jésus. Nous disons, Saint-Esprit de Dieu, nous te disons merci pour ce moment, pour ce grand culte que nous avons fait. Nous te rendons toute la gloire et nous te remercions. Seigneur, nous te bénissons. Tu bénis notre vie. Tu nous gardes dans les creux de tes mains. Seigneur, que cette semaine soit barricadée de témoignages. Que cette semaine soit barricadée de témoignages. Éternel, tu nous fais entrer dans tes portes. Tu nous fais entrer dans tes parvis. Dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous garde.